Et bienvenue à Montigny-le-Bretonneux dans un véritable ensemble architectural composé de trois parties. Et on va commencer tout de suite avec les arcades du lac. On parle d'un triptyque puisqu'on a trois parties et on commence ici avec les arcades du lac. Alors il faut comprendre qu'on est dans les années 80. Le projet de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines est déjà bien amorcé, mais il a commencé par l'ouest, avec Élancourt, Trappes, La Verrière. On arrive à l'est et on va commencer par urbaniser notamment Montigny et voisins. On veut un projet vraiment d'envergure avec un architecte de renom. Et on appelle Ricardo Bofill. Ricardo Bofill, c'est un architecte assez novateur, catalan. Donc Le Corbusier, c'était vraiment le mouvement moderne, le style international, où l'on bannissait l'ornement. Et Ricardo Bofill, au contraire, va le faire revenir avec, par exemple, cette entrée en matière, une place qu'on voit ici qui rappelle un peu les cirques romains, au centre, cette espèce de petit temple qui pourrait faire grec, et des arcades tout autour de nous qui, évidemment, vont aussi évoquer le monde gréco-romain. Donc le projet des arcades, c'est un ensemble de carrés qui vont être coupés dans leur diagonale pour avoir notamment des grandes allées traversantes et piétonnes au milieu et dans ces diagonales, des jardins intérieurs. Donc soit les gens vont avoir un accès et une vue depuis leurs fenêtres sur les routes, sur les accès piétons, soit sur les jardins, et pour les plus chanceux, directement sur le bassin de la Sourderie. Alors nous voici maintenant dans la deuxième partie qu'on appelle le viaduc, puisqu'il est à proprement parler sur l'eau. Donc c'est un ensemble de 387 logements qui du coup s'étale sur ce bassin de la Sourderie et qui peut nous rappeler à la fois le pont du Gard ou le château de Chenonceau. Donc encore une fois, Ricardo Bofill utilise les langages architecturaux du passé. Ce lieu devient vraiment emblématique pendant les années 80. C'est de là que sont tirés les feux d'artifice de Saint-Quentin-en-Yvelines et encore aujourd'hui. Et à partir de nombreuses plaquettes de promoteurs immobiliers, on vend Saint-Quentin à partir de cet ensemble architectural. Cette fois-ci sur Voisins-le-Bretonneux, c'est le temple et les templettes. Les templettes sur les côtés, le temple en plein centre. Alors cette fois-ci, la référence au passé, elle va toucher directement un monument qui est à proximité de Saint-Quentin, évidemment, c'est le château de Versailles. Plutôt que de reprendre la pierre de taille, Bofill continue d'emprunter plutôt la référence au passé par la forme plutôt que par le matériau. On a du béton teinté dans la masse, donc plutôt du blanc crème. On a aussi cette double demi-aile de chaque côté qui peut rappeler un petit peu le Trocadéro, donc on n'hésite pas à faire des références à la capitale, même au sein d'une ville nouvelle. Alors cette dernière partie vient compléter l'ensemble et la perspective à la fin des années 80. Le bassin joue le trait d'union entre chaque partie de la Sourderie et il offre un cadre de vie aux habitants. Il a aussi une fonction éminemment pratique puisque c'est un bassin de rétention d'eau qui évite la montée des eaux en cas de crue. Mais il permet aussi d'avoir une œuvre au centre qui est assez emblématique et qui vient orner le tout. C'est l'œuvre de Marcel Van Thienen qui s'appelle La Voilure. Cette voilure, elle rappelle un bateau, mais le vent qui passe au milieu de l'œuvre crée des effets musicaux. Il faut savoir qu'ici, on peut avoir des vents jusqu'à 160 km/h. C'est un espace très dégagé. Finalement, après une à deux années d'existence, l'œuvre est immobilisée à la demande du voisinage qui se plaint de ses nuisances sonores. Elle reste la même, mais l'œuvre musicale est désormais muette.